Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour tester des produits insolites pour chiens, évidemment. Ce sont des articles que j'ai vus passer sur internet, sur les réseaux sociaux, et parfois je me disais, j'aimerais bien tester quand même. Donc voilà, c'est l'occasion pour cette vidéo. On a vraiment des produits très différents, des jouets, des accessoires, on va bien s'amuser. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la cloche des notifications pour être prévenu à chaque nouvelle sortie de vidéo. Ça nous fait trop plaisir. Et aussi, n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, c'est la patte enchantée. On voulait aussi vous présenter la marque Kinos qui sponsorise cette vidéo. C'est une nouvelle boutique qui est très récente, qui a ouvert en mai 2023 et qui propose des produits pour les chiens en bonne santé. Sur leur boutique, vous allez pouvoir retrouver plein d'articles 100% naturels, donc vraiment trop top. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter une des box de Noël qu'ils m'ont envoyée. Voilà à quoi ça ressemble. Pupus qui est très intrigué. Qu'est-ce qu'on a, Pupus, dans la box? Comme je disais, il y a trois box différentes et celle-ci, c'est la box numéro 3. On y retrouve un fromage de yak. Ça, Mélodie et Opus, ils adorent. Oui, super pour la mastication. Ensuite, toujours dans la mastication, on a un bois de serre. Bien sûr, ça s'adapte en fonction de la taille de votre chien. Ensuite, nous avons un tapis de léchage, trop pratique. Ça reste dans le thème de Noël, il y a des petits Père Noël, des serres, des sapins, trop mignons. On a bien sûr un jouet sous forme d'os. Nous avons un complexe anti-tartre. Pour l'hiver, on a aussi un baume de coussinet, trop pratique pour les petites pattes. On a un démêlant lustrant, rien que ça, parfait pour les poils de Mélodie au plus, hein. On va faire pipite. Et ensuite, pour finir, nous avons des friandises. Voilà, je trouve ça super sympa et ça peut être une belle idée de cadeau de Noël pour votre chien. N'hésitez pas à aller faire un tour sur leur boutique, je vous mettrai le lien en description. Et nous avons un code promo, c'est OPUS10, qui vous offre moins 10% sur toute la boutique. Allez, c'est parti, maintenant on va tester ces produits insolites. Je sais vraiment pas par quoi commencer. Allez, on va commencer par une gamelle pour l'eau. Alors, je ne sais pas si vous avez vu passer ça sur les réseaux sociaux ou peut-être vous l'avez à la maison, parce que c'est quand même un peu connu. Et en fait, elle permet aux chiens de pas mettre de l'eau partout. Parce que je ne sais pas vous, mais il y en a une ici, je ne dirai pas son nom, qui, quand elle boit, en met littéralement partout. Elle boit tranquillement, puis après, elle tourne la tête avec l'eau qui dégouline encore. Du coup, on est toujours en train de nettoyer le sol. C'est vraiment super. Cette gamelle, ça permet d'éviter de faire ça. Donc voilà à quoi ça ressemble. En fait, vous avez le fond qui se lève. Quand vous remplissez la gamelle, il est au plus haut. Et en fait, dès que votre chien va vouloir boire, il va un peu baisser ce fond-là. L'eau va sortir et ça permet d'avoir juste la quantité nécessaire pour qu'il boit. Je sais pas trop si mes explications sont très claires, c'est un peu compliqué à expliquer. De toute façon, on va aller tester ça. Bon, on va tester la gamelle d'eau. Pupus, t'as soif? Ça tombe bien. Bon, je sais pas si vous allez voir, mais ça se stabilise au niveau de l'eau. Et vas-y Mélodie, tu peux boire. On voit rien. Mais là, normalement, le fond est en train de baisser pour avoir la quantité d'eau. Et normalement, elle va pas en mettre de partout. T'as la bouche propre? Bon, là, elle en a pas mis de partout. Après, c'est peut-être une coïncidence et c'est son jour de chance. Vous allez peut-être un peu mieux comprendre le principe, mais en gros, si on appuie un petit peu, il y a l'eau qui monte. Voilà. Non, mais... Bah, si elle fait ça, c'est sûr qu'elle va en mettre de partout. Hein. C'est pas un jeu, Mélo. Ce n'est pas un jeu. Bon alors, une note sur 10, je trouve le concept super top, mais par contre, si vous avez un chien un peu joueur, bah ça marche pas trop, donc 1 sur 10. Mais en tout cas, ça a beaucoup amusé Mélodie. Allez, on passe à l'objet suivant.
C'est un jouet. J'ai vu ça. C'est un peu un distributeur de friandises. En fait, il roule, c'est un petit robot, et il va lancer des friandises. Il y a déjà des poils dessus, c'est super. Vous remplissez sa petite tête par des croquettes, des friandises. Par contre, faut que ça passe dans ce trou-là. Et après, il va rouler, votre chien va devoir faire tomber toutes les friandises. Mélodie et Opus adorent aller chercher des friandises, donc je pense que ça peut leur plaire. À tester. Bon, j'ai des croquettes, on va le mettre dans sa petite tête. Je referme le couvercle. Et tiens, Opus, c'est quoi ça? Ça roule. Elle a fond, ça y est. Ouais, t'en as fait sortir. Oula. Elle est en train de tout défoncer. Bon, on a vu le résultat avec la gamelle, hein. Allez, Pupus, à toi. Ça sent bon. Oui, super, loulou. Il est parti avec. Il est parti avec. Il est parti avec. C'est pas prévu, ça, Pupus. Qu'est-ce qu'il fait, loulou? Pupus! Ah non, mais sa tête en plus. On passe maintenant à un produit pour garder un souvenir de nos chiens. On va prendre les empreintes de Mélodie Opus. J'avais déjà fait avec de la pâte à sel il y a très très longtemps. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i. Mais cette fois-ci, c'est avec de l'encre. Donc c'est fait exprès pour les chiens. Je sais pas comment on s'en sert. Je vais aller regarder un peu ça. Je sens aussi que ça va complètement foirer parce que ils ont des poils sous les coussinets. Donc je pense que l'empreinte va pas être très très belle, mais c'est pas grave, c'est drôle et j'en ai pris deux pour Mélodie et Opus. On teste ça. Bon, on va prendre l'empreinte de Mélodie, on va commencer par Mélodie. C'est le test. Je sais pas du tout comment ça fonctionne, dans quel sens faut le faire, mais on va tester. Bon, je pense que c'est dans ce sens-là, on va mettre ça comme ça et on va mettre la papatte. Attention, le résultat, j'appuie bien, un peu de partout, hop hop. Hop! Est-ce que ça fait quelqu'un? Ah non! Ne remets pas la patte dedans! Attends, ma puce, j'arrive! Attends! Et attention! Oh! Non mais pas mal! Eh, c'est pas mal! Franchement, je trouve ça super! Et en plus, c'est bien parce que ça tâche pas la patte! Top! Je valide! On va faire celle de puce! Alors, pupus, tu me donnes la papatte et tu restes, hein! Attention! Ah! Non! Je sais pas, j'ai raté. Attends, faut juste pas bouger. J'espère que j'avais pas trop appuyé et ça va pas tout foirer. Tu restes, on appuie bien de tout, partout, tous les coussinets. Alors, le résultat. Oh, j'ai foiré. Bah oui, mais oui, mais oui, mais t'as bougé. Dommage, j'aurais trop bien rendu. On recommence. Je sais pas si il va y avoir assez d'encre, mais on va essayer. Pas bouger, tu restes. Tu restes, mon cœur. Ah, non! Pupus, t'abuses! Non, mais voilà, c'est un échec, un échec! Bon, alors, une note sur 10 pour faire les empreintes de son chien, je dirais, franchement, j'ai adoré. 10 sur 10. Mais par contre, si on est délicate comme Mélodie, ça marche bien. Par contre, si on est brute comme Pupus, ça marche beaucoup moins bien. Faut juste s'appliquer, y aller tout doucement et prendre peut-être plusieurs tampons. Pour pouvoir recommencer. On continue par un accessoire, c'est une laisse, mais pas n'importe quelle laisse, puisque ça s'illumine. Plutôt pratique pour cette période hivernale quand il fait nuit très tôt. Ça permet d'indiquer aux gens qu'on est là. Et voilà, je ne sais pas si ça va bien se voir, mais ça c'est clair. Donc, soit ça clignote vite, soit ça clignote un peu moins vite, soit ça reste allumé et après ça s'éteint. Donc ça peut vraiment être pas mal, mais plus il bouffe la laisse. Voilà, ça peut être plutôt pratique. Alors celle-là, elle est vraiment pas de bonne qualité, mais dans le principe, j'aime beaucoup. Il y a aussi des colliers lumineux pour les chiens. Donc pourquoi pas cumuler collier et laisse. J'ai trouvé aussi des jouets un peu insolites. Nous avons tout d'abord des frites. J'adore et je crois que ça fait pouet pouet. Attention, Mélodie va arriver. Je l'avais dit, je l'avais dit. Hein, dès qu'il y a un pouet pouet, ça y est. Hein. Donc voilà, oui, je sais qu'elle aime bien. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop mignon. Après, j'ai trouvé aussi. Attends, bouge pas, Mélodie. Un Oreo, un jouet sous forme d'Oreo qui fait attention.
peau de poète. Je voulais pas le faire trop fort. Tu le veux? Tiens, prends-le. Voilà, prends-le. Vas-y. Et enfin, j'ai vu aussi... Non mais ça fait peau de poète dans tous les sens maintenant. J'ai vu aussi un faux journal qui fait un peu de bruit de plastique. Je pense que vous entendez. Je sais qu'il y a des chiens qui adorent ce bruit-là, donc ça peut être pas mal. Mélodie, t'aimes bien ou tu préfères le pouet-pouette? Tu veux ça? Vous voulez? Pupu s'il veut. Prochain objet. Alors ça, je l'ai vu vraiment partout sur les réseaux sociaux. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté non plus. Ce sont des buzzers. Voilà. J'avais vraiment trop envie de tester ça sur mes chiens. Je l'ai vraiment vu partout. En fait, le concept est assez simple. Après, pour apprendre aux chiens, c'est autre chose, c'est une autre histoire. Et en fait, ça permet de communiquer avec son chien différemment. Voilà, c'est vraiment un apprentissage. Par exemple, je dis que le bouton rose, c'est le mot sortir. Donc quand, par exemple, Opus va appuyer sur le buzzer, il va entendre le mot sortir. Et là, je vais faire sortir Opus. Voilà, vous pouvez faire ça avec n'importe quel mot, n'importe quelle action. Et le but, bah, c'est qu'il communique avec vous. Bon, alors comme ça, vous n'allez peut-être pas comprendre le principe, mais il y a vraiment des vidéos incroyables sur les réseaux sociaux. Et je me demandais si ça marchait vraiment. Bon, je pense qu'il va falloir vraiment beaucoup d'entraînement. Mais on va quand même tester. Est-ce qu'on va réussir? Bon, allez, on teste le fameux buzzer. Donc, j'ai mis des piles. Pour l'instant, ça dit... Hello. Voilà, je vais remplacer Hello par Friandise. Je sais pas comment on l'enregistre par contre. Friandise. Hello. C'est pas comme ça. Friandise. Friandise. Ça marche. Le but maintenant, c'est qu'ils comprennent qu'à chaque fois qu'ils vont appuyer sur ce buzzer, ils vont avoir une friandise. Friandise. Oui. Elle prend dans la gueule. Mais non. Il va pas résister longtemps hein, si tu lui fais ça. On va tester avec Opus. Oui, tu veux une friandise? T'es beau. Friandise. Oui, super. Tu veux une friandise? Friandise. Oui, c'est bien, loulou. On va ajouter un deuxième buzzer et on va lui dire câlin. Câlin. Donc maintenant, on en a deux. Donc si Mélodie va appuyer sur le rose, friandise. Je vais lui donner une friandise. Si elle appuie sur le bleu, câlin. Je vais lui faire une caresse. Qu'est-ce que tu veux, Mélodie? Tu veux friandise, friandise ou câlin? Câlin. Vas-y. Câlin. Oh, tu veux un câlin? Oui. Bon alors, une note sur 10, je trouve le concept encore une fois super cool. Après, faut vraiment travailler avec son chien. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc voilà, faut bosser. Mais j'ai vu des vidéos vraiment incroyables. Donc je vais mettre 10 sur 10. Et enfin, on termine cette vidéo par un dernier objet. Il s'agit d'un harnais pour la GoPro. Enfin, pour chien et pour la GoPro. Tu le veux, le harnais? Tu aimes bien le mot harnais, hein, je sais. J'ai dit un mot qu'il fallait pas. J'ai acheté, il n'y a pas si longtemps que ça, ça doit faire au moins d'un an, une GoPro. Et c'est vrai que j'avais très envie de la mettre sur mes chiens pour voir un peu ce que ça donne. Je sais que GoPro vend des harnais spécialement pour les chiens, pour mettre la GoPro dessus. Ça vaut quand même assez cher, donc j'ai trouvé ça sur Amazon. Donc voilà, c'est un harnais, on va le mettre sur Pupus ou Mélodie, je sais pas. Je suis assez sceptique parce qu'il y a quand même pas mal de poils. Est-ce qu'en mettant la GoPro ici, on voit quelque chose? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment quelque chose que je voulais tester pour voir si je peux pas vlogger aussi un peu différemment. Donc vraiment, à tester, j'ai trop hâte de voir le rendu. C'est bon, j'ai installé la GoPro sur le harnais et on va mettre ça à Mélodie. On met, voilà, on lève la papatte. Ouais, t'es un peu mouillée, mais c'est pas grave. Hein? Ça filme Mélodie. Ok, ça filme. Bon, désolé pour ceux qui ont mal au cœur. Les tests ne sont pas très concluants. Soit les plans sont de travers et ça donne envie de vomir, soit on voit rien avec tous les poils. Le seul moment où ça va, c'est quand Mélodie a la tête en bas et renifle le sol. Mais bon, pas top. Le but, c'était de voir quand même sa petite tête. Elle a vraiment trop de poils. Allez, je vous laisse avec cette séquence où Mélodie est allée se baigner et quand elle revient en courant. Et voilà.
voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Vous avez peut-être découvert des produits que vous aimeriez tester, pourquoi pas. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé des produits insolites ou vraiment des produits coup de cœur. En gros, n'hésitez pas à me recommander des produits que vous trouvez vraiment super top et je testerai dans une prochaine vidéo. Voilà, et bien nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.